والله صراحة كأس عالم ما فيش مجموعة سهلة. أول حاجة يعني المجموعات كلهم صعبين، اللي يوصل لتأهل كأس العالم أكيد يكون مستحق التأهل. هذا حظوظنا إن شاء الله باش تكون موجودة وباش ننافسوا عليها للآخر مباراة إن شاء الله. أكيد نتصور الجمهور التونسي باش يكون عنده دافع كبير للفريق، باش يساند المنتخب لآخر لحظة كما شفنا معناها كأس العرب الأخرانية اللي الجمهور التونسي كان موجود بكثرة، ونتصور هو كان واحد من الأسباب اللي خلى المنتخب التونسي يمشي للفينال في أراضي عربية. في نتصور زاد الأشقاء في قطر باش يكونوا حاضرين مع المنتخب التونسي، وإن شاء الله حضورنا تكون وافرة ونفرحوا الشعب التونسي إن شاء الله. Bah, j'ai fait quelques sélections jeunes en Tunisie. Après, j'ai eu la chance de faire les espoirs en France. Et les A de la Tunisie m'ont demandé. Donc, forcément, quand c'est le summum du football qui t'appelle, bah, tu dois te répondre présent. L'équipe de France, je ne sais pas si un jour j'aurais pu y aller. Là, j'ai senti que, voilà, que tout le monde me voulait. Et quand tu te sens désiré, bah, forcément, tu as envie de répondre présent. Et du coup, j'ai fait ce choix à 100%. Et je le regrette pas du tout parce que j'ai vécu 5 Coupes d'Afrique, une Coupe du Monde, j'espère une deuxième là. Et pour moi, voilà, en sélection, c'est une carrière aboutie qui se passe. Donc je suis vraiment content et je n'ai pas de regret d'avoir fait ce choix. Je pense qu'on est capable de sortir de cette poule. On sait quoi là qu'il y a la France qui est au-dessus, qui va postuler pour gagner. Le Danemark et l'Australie sont de belles équipes, mais je pense qu'on n'a rien à leur envier. Et ça serait un exploit et quelque chose d'exceptionnel d'aller au second tour, parce que la Tunisie ne l'a jamais fait. Et je pense qu'on a vraiment un collectif qui est bien huilé et qui est capable, je pense, de vraiment passer ce tour des poules. Non, moi, c'est ce que je voulais au Tirage. C'est magnifique parce que voilà, on est né ici et tu sais que voilà, ce match-là, il est regardé dans le pays entier, que ce soit en France ou en Tunisie, et tu as envie forcément de performer, de montrer
que voilà, face à des top joueurs, tu es capable de rivaliser, d'être bon. Donc ça serait un beau challenge, une superbe expérience. Et voilà, pendant 90 minutes, bah, montrer que tu as le niveau face à des top joueurs comme il y a en équipe de France. Et il pourrait nous les mettre plus près quand même. Bon, ça fait maintenant 6-7 ans où, voilà, comme je l'ai dit, on n'a pas de joueurs stars, mais on a un bon collectif. On a tenu tête à pas mal de nations, que ce soit avant la première Coupe du Monde en Russie, en amical contre le Portugal ou l'Espagne. On a battu la Croatie qui était vice-championne du monde en amical aussi. On est capable de rivaliser contre des grosses nations par un jeu fluide, à base de passes. Et je pense que voilà, c'est ce qui fait notre force aussi, c'est qu'on n'a pas de joueurs stars, mais qu'on a un collectif très soudé, très solidaire et qui est capable de performer contre des grosses nations.